Je pense qu'il y a eu un très bon contact d'abord avec le président de la natation, où on a mis du temps, mais on a fait les choses correctement et bien. Il y a un projet, c'est une ville, une grande ville, une ville universitaire avec des moyens, donc tout était réuni pour essayer de faire de belles choses. L'objectif, c'est chaque année. Les Jeux, c'est dans 3 ans, c'est très loin. Donc chaque année, déjà, on va essayer de mettre bien les choses en place, bien structurer certaines choses, et puis travailler sur les jeunes de Montpellier qui sont issus du club, parce qu'il y a quoi faire. Et après, bien sûr, essayer de recruter 2-3 bons nageurs pour pouvoir, on va dire, être présent et performant dans les grandes compétitions qui vont arriver dans les trois prochaines années. On va dire, c'est au mois de fin mai, début juin, il y a les championnats d'Olive et les championnats de France qui se passent aussi en avril. Bon voilà, ça sera le premier objectif de la saison. Ben, on va tout faire avec un président de l'ACLO, M. Sorel, avec qui le courant passe bien. C'est quelqu'un que j'apprécie, donc il n'y a pas de raison, mais après, bon, il faut des résultats, parce que autrement, sans résultats, les paroles, ça veut rien dire. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est le club de Montpellier. Je m'occupe du club de Montpellier en natation française. C'est pas trop... voilà, c'est pas mon... déjà bien m'occuper du club, des athlètes. Après, j'ai été très très loin de la natation française pendant des années parce que je me suis occupé pas mal de sélections étrangères. Donc, voilà.